Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma carrière FIFA 16 en tant que manager à l'Olympique de Marseille. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, vous avez eu le droit à un épisode concentré, donc avec les meilleurs moments des matchs. Aujourd'hui, vous aurez le droit au match complet. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce que vous avez loupé, notamment le calendrier. Donc vous avez loupé. Vous en avez loupé pas mal quand même, hein. Alors je sais plus exactement où je m'en étais arrêté dans la dernière vidéo. Je sais plus. Je crois qu'on avait... Il y avait Angers. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Donc il y a eu la trêve. On a commencé la saison des recrutements. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai recruté. Ensuite, l'en avant Guingamp. Donc une victoire... Non, un nul, pardon. Un partout à domicile contre Guingamp. Une défaite en Coupe de la Ligue. Ouais, une défaite au tir au but. On s'est fait éliminer. Ensuite, une victoire à Caen, hein, pour le premier match de championnat. Le premier match des matchs retour. Donc contre Caen, souvenez-vous, le match aller, on avait perdu. Ensuite, Coupe de France, victoire 3-0 contre Nice. Victoire 1-0 à Lyon. Le LOSC, victoire 1-0. Montpellier, victoire 1-0. Coupe, demi-finale, on s'est qualifié au tir au but contre Monaco. Et là, on va affronter l'ogre parisien. Ensuite, Saint-Étienne pour finir contre Nice. Donc, voyons voir un petit peu maintenant au niveau de mon équipe. Alors, j'ai recruté un gros joueur, Lamela. Hein, Eric Lamela. Donc, voilà, un gros joueur, hein, du moins un gros joueur. Un bon milieu droit. Voilà, il me fallait un bon milieu droit pour faire la doublette avec Alessandrini. J'ai recruté un buteur pour 2 millions d'euros, hein, Lucero. Ensuite, un milieu gauche, Sané, qui a un très gros potentiel. Donc, je l'entraîne beaucoup, je le fais jouer, je le fais rentrer en général à la place de Cabella. Ensuite, après, c'est tout. Hein. C'est tout ce que j'ai recruté. Je sais que Nicolas Nkoulou va partir à la fin de saison. Voilà, il ne veut pas rester, j'ai épuisé tout mon budget, je ne peux pas le prolonger. De toute façon, c'est pas très grave, hein. Je recruterai un autre défenseur pour lequel je mettrai un vrai contrat dessus. Voilà, je bloquerai ça. Donc voilà. Hop, on va continuer. Donc on va lancer le match contre le Paris Saint-Germain. Et puis j'espère qu'on va réussir une belle prestation. Alors, tout de suite, vous allez... me voir aller dans les paramètres de jeu. Pourquoi ? Je suis désolé. Je suis incapable de jouer avec la neige. Donc, je modifie. Je ne peux pas parce que je n'arrive pas à suivre le ballon. Je peux pas mettre les deux maillots sombres. Je suis obligé d'en mettre un clair. Et une équipe qui joue avec un maillot clair, je n'arrive pas. Je la vois très mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à bien distinguer comme il faut. Je trouve que la neige est, en soi, c'est bien rendu, on n'y voit rien. Enfin, moi, je sais que j'y vois rien, donc du coup, ben, j'enlève la neige. Alors, un bon ballon. Oh, dommage. Alors, pour l'instant, j'ai enlevé Michy Batshuayi et je joue avec Correa et Wissam Ben Yedder. Bonjour à tous. Donc, merci, on va voir. Je vais essayer de pas me livrer. Le mode champion, je vais pas dire je l'ai en main. Ça vient tout doucement, progressivement. Donc, c'est vraiment pas simple. Il faut prendre le temps de construire ses occasions. Ouais, c'était pas là que je voulais la mettre. Pour cette équipe avec un 4-4-2. Le 11 de départ. Allez, encore. Attention, hein, on l'avait dit. Pour ce qui est de la tactique et de l'animation, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. Voilà. Il suffit. Vous allez voir, je vais dire ça et je vais prendre des buts un peu bêtes. Ouf. Il arrive à récupérer le ballon. Allez, bien joué. Alors, c'est pareil. Si, c'est un gardien aussi. J'ai recruté un gardien. Parce que Steve Mandanda n'a pas souhaité prolonger son aventure marseillaise, donc du coup j'ai été chercher un autre gardien. Non, ça passera pas, il y aurait eu hors jeu de toute façon. Voilà, j'ai été chercher un gardien pour 4 ans. Oh, dommage, ça aurait pu passer là.
Verratti. Allez, Mendy. Ben oh, dommage. Contrôle, je pensais qu'il allait le faire dans l'autre sens. L'OM qui récupère. Allez. Oh non. Ouais, j'ai dit, il est pas venu au ballon au début. Il faut que je prenne un peu plus mon temps pour construire. Elle est bien. Et elle sent très bon. Et la tête de Ben Yedder qui passe à côté. Premier. Ah non, c'est Correa. Première alerte dangereuse sur le but parisien. Et là, le gardien qui était passé complètement à côté. Ah, il n'avait pas du tout réagi. En même temps, la tête était plutôt bien mise. C'était compliqué là de réagir. Ouh, il fait piquer le ballon à Blaise Matuidi là. Heureusement là, belle intervention. Et déjà GG. Allez, va. Et bon sang, deuxième poteau pour la. Oh là là, la Sanadiara, t'es bien vu. Oh, il y a 6 mètres. Il la met pas dans le but, c'est dommage. Voilà, hop, on force le gardien à dégager. Bien joué. Donc on voit pour le moment les Olympiens et les Parisiens qui font plutôt jeu égal. Et la frappe tout de suite de Rémi Cabella, dommage. Il faut tenter. Il faut tenter sur FIFA, il faut tenter ce genre de frappe. On ne sait jamais ce que peut faire le gardien. Sur cette interception, c'est impeccable. Bon, attention, meilleur jeu. C'est sifflé, très bien. On voit, hein, pour l'instant, les Marseillais qui arrivent, on va dire, assez facilement à monopoliser le ballon. Il faudrait quand même que ça se concrétise par un but, ça serait pas mal. Oh non, la passe, c'est pas là que je veux la mettre, dommage. Allez. Voilà, faut que ça aille sur le côté. Allez, Cabella. Très bien. Ce serait une touche pour le PSG. Ah d'accord, ouais, je l'aurais pas sifflé comme ça, mais peut-être pour ça qu'il l'a laissé filer. David Luiz. Ce sont les Marseillais qui récupèrent. Très bien. Ce ballon. Hop là. Allez, pour l'instant, très bien joué, très très bien conservé là de la part des Marseillais. Rémi Cabella. Oh. Oh non. Et j'appuie sur triangle vers l'avant. Si jamais elle est à quelqu'un, elle peut pas être parisienne, c'est pas possible cette touche. Et je l'ai contré. Hein ? Il y a une faute là ? Il a d'abord refusé un nouveau contrat, ensuite l'entraîneur a décidé de ne plus l'aligner. Et maintenant, il y a des clubs qui s'intéressent à lui. Un coup de je te veux, je te veux pas. On se demande bien. Ah voilà, moi. Ouais, Benjamin Mendy, c'est vrai qu'au début il a refusé. J'y ai donné de quoi, logiquement, accepter. Après, la balle est dans son camp. Allez, va Mendy. Oh, dommage. Ah, c'est bien joué. Très bien. Alors, je sais que certains m'ont aussi conseillé d'aller apprendre quelques dribbles en plus. Des dribbles simples. Parfait. Allez, va. Attention, le centre sera pas bon, mais il sera récupéré au deuxième. Et pourquoi pas. Dommage. Arrête-toi. Allez, la touche, elle sera pour nous. Et pour l'instant, on a très très peu de ballons. J'ai pas eu beaucoup de positions de frappe. Et la frappe de Ben Yedder, c'est dommage. Il y avait une position. Et encore, je me suis un peu trop décalé. Allez, encore. Elle va demander un peu plus de pression maintenant. Il trouve Lavezzi sur cette passe lobée. Oh, le ballon est bon là. Très très bon ballon de Lavezzi. Je vous laisse admirer la fluidité. Ouf. Je me suis jeté sur mon tac. Allez, va. Oh, j'ai tenté la roulette là pour me replacer vers l'axe.
et ça n'est pas passé, c'est dommage. Thiago Silva. Et encore. Là, on est à Marseille, il faudrait réussir à s'imposer, mais on va dire si on arrive à faire un match nul quand même contre Paris, c'est quand même plutôt une bonne performance. Il ne faut pas oublier que Paris a quand même un effectif énorme. Très bien. Ah bien. Oh non. Ah oui, il regarde pas. Il est parti tout de suite, Correa. Alors qu'il aurait dû regarder un peu et venir au ballon. Edinson Cavani qui n'a pas pu prendre ce ballon. Allez, mi-temps. Un score serré, un match très serré. Pour l'instant, mis à part ma tête à côté du but, on a vu très très peu d'occasions. Donc il va falloir que ça aille un petit peu mieux en deuxième période. Avec les Parisiens cette fois-ci à l'engagement. Allez. Joué. Oh, la faute là, la faute énorme. C'est Aurier qui fait ce tacle par derrière. C'est au moins jaune. C'est au moins carton jaune là pour Serge Aurier. Ah oui, facile. C'est amplement mérité. Très bien. Allez, bon ballon. Parfait. Allez. Il faut que j'arrive à jouer un peu plus par les côtés. Allez, oh, c'était pas là que je la voulais. C'était vers Diarra, mais bon. Ah oui, Cabella, il part, mais j'y mets pas le ballon tout de suite, mais il reviendra pas. Hein. C'est dommage parce que s'il revient, je peux la lui mettre. On peut trouver peut-être un appui. En tout cas, faire quelque chose de plus intéressant. Kembet hors jeu. Le ballon change de camp. Et il y a du monde autour de lui, à lui de faire le bon choix. Eh, maintenant. Sans déconner. J'appuie pas du tout dans cette direction-là, du moins pas autant, pas aussi prononcé. Attention. Ça va, c'est à côté. Là, Di Maria qui a loupé le cadre. Ah non, mais c'est même pas qu'il a loupé le cadre, c'est que ça a été arrêté. Oh, il a... D'accord, l'arbitre laisse un avantage là. On va m'expliquer où il a vu un avantage. Pour avoir un avantage, il faudrait qu'il y ait une faute. Je ne prends que le ballon. Allez. Très bien. Oh, c'est pas du tout là que j'appuie. Et la faute, non? Oh. Et l'arbitre, par contre, voilà. Voilà ce qui me saoule. Dans les jeux de foot modernes, c'est que l'arbitre a tendance à siffler un peu trop pour l'IA. Et rien quand c'est pour le joueur, parce que là il y avait une faute énorme. Ok, donc là il a décidé de la dégager tout seul. Hein. Moi j'ai rien demandé. Ouf. Franchement, je lui demande pas de la dégager, hein. Je lui demande de la contrôler au pire. Et derrière il la dégage et ça fait un gros danger pour le PSG. Le gardien qui s'interpose sans problème. Allez, très bien. Et non, il ne donnera pas l'avantage à son équipe sur cette action. Ok. Petit triangle. Pour une frappe énorme. Bon, allez, on va faire des remplacements parce que là, ça va pas. Je n'arrive pas à jouer. On va mettre Batshuayi devant. On va faire sortir Cabella. On va mettre ce joueur-là. Et on va faire sortir Lamela pour faire rentrer Romain Alessandrini. Allez, on fait 3 changements en espérant que ces joueurs apportent du frais, de l'envie. Mais ça fait rentrer aussi des joueurs du côté parisien. Allez. Compliqué. Voilà, bien joué de la part de Di Maria qui a bien évité. Elle n'est pas cadrée. Heureusement, la frappe de Blaise Matuidi n'est pas cadrée. Allez, faut y aller là.
Voilà. La Sana Diarra. Non, mais non. En haut, pourquoi il la met? Il y a déjà JJ qui part sur le côté. Pourquoi est-ce qu'il va la mettre pour Romain Alessandrini qui est juste à côté de lui. Serge Aurier. Voilà. Ah, la passe n'est pas assurée. Ah, ça n'assure pas du tout les passes là. Ah, c'est trop long. Ah, aussi bien du côté parisien que marseillais, c'est très 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 stérile. Et on va jouer un peu plus offensif. Alors là, vous voyez, j'appuie pas du tout. Du tout devant. Il y a un mec en diagonale. Dans l'axe, quoi. J'appuie là. Pour jouer intérieur, j'appuie pas pour aller chercher mon attaquant. Loin devant, alors qu'il y a toute une défense. La gestion du. La direction du joystick est pas très très bien faite dans FIFA, quand même. Hein. Il va quand même dire ce qui est. Ah, ça m'étonne qu'il ait pas sifflé faute. Voilà, je prends pas le ballon alors que je suis quand même le premier dessus. Ah non, là, pour le moment, c'est très compliqué là. Mon équipe marseillaise qui est vraiment, vraiment malmenée. Puis j'arrive pas à faire le jeu donc. Bien malmenée par cette équipe parisienne. Voilà, allez. Non, mais non, putain. C'est sur le contrôle que j'appuie sur le joystick droit pour la pousser loin sur le contrôle, pas après. Et voilà, encore une occasion pour le Paris Saint-Germain ou pas. Ça va, ça a été bien sauvé là. Très bien. Voilà, on va garder, faut garder. Faut temporiser. Allez, là, j'ai pas de solution. Voilà. Allez, va. Eh non. C'est bien resté en place, c'est bien resté plein axe là. La défense parisienne qui défend très très bien. J'arrive pas moi à me décaler pour aller à la frappe, pour aller au centre, plein axe. Non, j'arrive pas. Et Ibrahimovic. Il y avait du chaos dans l'air là. Très bien. Mais viens. Alors ça, j'ai pas vu de commentaire dans ce sens là. Pour faire venir mon joueur au ballon. Le mec, j'y fais une passe, systématiquement il se barre en avant. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a une touche particulière pour lui demander de venir? Il doit bien y avoir quelque chose. Je comprends pas pourquoi le mec, il me regarde, il part. Alors que j'appuie, moi sur mon joystick, je viens vers le ballon quoi. Mais non, ça ne change rien, il ne vient pas. Alors, c'est quand même super frustrant au final parce que je me retrouve avec une possibilité d'action. Mais au final, rien, parce que mes joueurs peuvent faire se barrer devant et courir droit devant sans se poser de questions, savoir si ça serait pas plus simple de construire du jeu. C'est super frustrant, ça. Non. Mais elle peut pas être pour eux. Je touche pas le ballon. C'est le mec qui fait le contrôle, quand même. Hein. Et la frappe là, et oui, on a eu de la chance, beaucoup beaucoup de chance. On a été très 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 opportuniste là. On a bien serré les dents et on a réussi à mener ce contre. Heureusement qu'il se jette là, David Luiz. Ah ouais, là on a très bien joué. Ah bah écoutez, il faut savoir être opportuniste. Et ça c'est un but plein d'opportunisme. Écoutez maintenant, voilà, l'arbitre qui met un terme à cette rencontre sur ce score de 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Un match très serré, voilà, faut être honnête, c'était un match très serré, il y a eu très très peu d'occasions. Là on voit celle-là de mon côté, après il doit y en avoir une, peut-être deux côté parisien. Là celle-là qui n'est pas cadrée, la tête de l'as. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est pas trop ce qu'on a vu là. Là, Aurier qui met un gros tacle. Enfin bon, bref. Voyons voir si on regarde. Il y a eu un arrêt de mon gardien. Un poteau de Lavezzi. Un tir raté de Matuidi. Donc, ouais. Ça a été un match très équilibré. Mais voilà, on a su tirer notre épingle du jeu grâce à ce contre en toute fin de match.
Donc c'est plutôt intéressant. Alors on va aller voir au classement. Voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points d'avance, hein, sur Paris. Le fait d'avoir gagné là nous octroie une très, très bonne marge. J'aime bien parce que j'ai demandé des fonds supplémentaires, hein. Malheureusement, compte tenu de vos performances dans le club, nous estimons que ces fonds supplémentaires ne permettront pas à l'équipe de connaître le succès. Vous imaginez quand même, je suis premier du championnat avec 15 points d'avance, mais non, ils veulent pas me les donner. Allez, voyons voir un petit peu. Voilà, on va augmenter les jeunes. Simuler. Très bien. Ça augmente bien les petits jeunes là. Parfait. Allez, après on va se retrouver pour le match contre Saint-Étienne. Allez, on va motiver mes joueurs pour être tranquille. C'est bien. Parfait, Mandy. T'as bien fait de rester là. On va voir un petit peu la fatigue. Après, j'hésite à changer de système de jeu. Peut-être que je le ferai pour le prochain match. On va voir. Peut-être passer en 4-5-1. Mais ça me paraît compliqué avec les joueurs que j'ai devant. Alors, on va voir un petit peu. Gestion d'équipe. Ben Yedder, on va le faire sortir. On va mettre tout de suite Michy Batshuayi. Correa, on va le laisser pour le moment. Lamela, on va le faire sortir. On va faire rentrer Alessandrini. On va laisser Cabella. Silva, on va faire jouer Diaby. Nkoulou, on va le faire souffler. On va mettre Rolando. Un Manquillo à la place de Djadjédjé. C'est pas mal. Et puis, c'est déjà pas mal en termes de changement. Allez, on se retrouve pour le coup d'envoi. Allez, nous voici pour le match. Et vous pouvez voir à l'écran, je n'ai pas fait gaffe que c'était de la neige. Du coup, eh ben, on va jouer sous la neige. Et là, par contre, je ne vous garantis rien du tout. Là, il est possible que vous puissiez voir une défaite de mon équipe. Un peu à cause des conditions climatiques là. Parce que là, je vous avoue, encore c'est pas trop trop enneigé. Allez, bien. Mais on sait. Oui, le moine, d'accord, il met le carton à retardement, mais par contre, il revient pas sur la faute. C'est énorme quand même. Attention, ne pas commettre de faute. Et Correa qui frappe, ou dommage, c'était dans les bras de Moulin. Et c'est pas Ruffier qui joue dans les buts. Tenter de la dévier, non, dommage. Allez, allez, allez. Manquillo. Très bien. Parfait. La Sana Diarra. Ok, d'accord. Il me semblait quand même qu'il y avait un petit quelque chose là, parce que le mec, il a quand même réussi à me prendre le ballon. Il passe un peu à travers. Début de match très chaotique là. Oh, ça glisse. Les joueurs glissent beaucoup là. Allez, Sandrini. Ouais, bien joué. Non. Alors là, vous voyez, par exemple, j'ai fait la tentative de roulette. Hein. J'ai laissé mon joystick droit appuyé dans la direction vers le haut pour qu'il fasse la roulette. Et il n'a strictement rien fait. Ok. Très bien. Pas de risque. Benjamin Mendy. Allez, va, va, va! Eh ben oui! Allez, continue, Diaby! Et tu fais un il fait un super appel au moment où j'y mets le ballon, il s'arrête. C'est dommage quand même. Personne n'est indifférent à Marseille. Mais quelle pression, quand vous êtes joueur, vous avez toujours tout gagné pour les supporters. Le bon centre là! Le centre
Ah, dommage. Allez, va. Vous voyez, là, c'est le gros défaut. C'est que j'ai personne qui va... Et là, vous voyez, encore une fois, moi, j'appuie pour venir au ballon et le joueur s'arrête. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi moi, mes joueurs ne viennent pas au ballon. Kevin Monet-Paquet, il va vite. Il va très vite. Attention avec ce centre. Attention, attention à ce coup franc qui sera bien placé. Hein ? Mais ça déconne, c'est un duel à l'épaule. L'arbitre, il s'y flotte, quoi. Et voilà, l'ouverture du score stéphanoise. C'est un sketch. Il n'y a jamais faute de Diarra. C'est un duel physique. Et le mec et l'arbitre s'y faute. Et derrière, c'est la sanction immédiate. Et tout y était sur ce coup de tête. La précision, certes, mais aussi la puissance. Bon, par contre, Alessandrini, il va falloir que tu te bouges un peu. Bon, allez, on va mettre attaque de folie. Alors pourquoi je mets ça? Parce qu'au moins, j'ai du mouvement offensif quand je fais ça. Que là, ça, c'est catastrophique derrière, j'ai rien. Amorcé avec cette récupération au milieu de terrain. Rémi Cabella. Au moins, j'ai l'impression d'avoir une équipe qui joue l'attaque. Déby. Non, dommage. Oh là là, hors-jeu, le drapeau qui s'est levé. Il est hors-jeu ? Ah, c'est jamais facile hein, de juger. Ok. Mais là, ça n'a pas dû se jouer à grand-chose. Romain Mouma. Allez, attention, attention. Il y a toujours une solution hein, pour le porteur du ballon. C'est vraiment très fluide. Ouais, c'est bien. Le fil Catherine. Récupéré par l'adversaire. Et voilà. Comme tout à l'heure, je la pousse avant. J'appuie avant sur le joystick droit pour qu'il pousse le ballon. Et ça ne fait rien. Et ça le pousse au moment où je ne le veux pas. Allez, allez. Il vient au ballon, voilà. Dommage. Michy Batshuayi là qui a tendance à vraiment partir lui aussi alors que c'est quand même un attaquant de pointe en pivot. Je piche pas trop le délire là. Eh ben vas-y. Eh mec, il est là à côté de moi mais il va pas aller me proposer une solution. Hein. Allez, bien. Oh, s'il lève la tête, ça peut être dangereux. Oh, pourquoi il frappe pas? Et j'appuie instantanément encore. Ok. Il y a beaucoup de trucs là que je piche pas. C'est pourquoi, par exemple, là, il a pas frappé. Alors que c'était super bien mené. Voilà. Bien joué. Et là. Oh, il cadre pas. Cadre pas Michy Batshuayi, c'est dommage. Voilà, on mérite de revenir. Tellement on domine là dans le jeu. Mais on n'arrive pas à concrétiser ces occasions. Eh bien. Ouf! Ou la grosse intervention là. Et Batshuayi. Oh là là, quel arrêt encore du gardien là. Le gardien stéphanois qui fait un super barré. On va revenir, c'est pas possible autrement. Batshuayi, je sais même pas pourquoi c'est Batshuayi qui est allé tirer. Ouais, Diaby. Et penalty. Il y a Diaby qui mettait 3 jours à frapper, mais derrière il se fait prendre. Oh, Diaby qui sort blessé. Ah non, Alessandrini blessé. Aïe aïe aïe. On est obligé de faire un changement tout de suite, ça ne m'arrange pas ça. Penalty. Oh, penalty, c'est normal. Allez, là faut que je marque. Carton, ça c'est plus étrange. Ouais, c'est vrai, hein, décision un peu étrange, mais peut-être a-t-il juste. Voilà, nickel, l'égalisation juste avant la mi-temps, de Rémi Cabella. Ah, c'est parfait. Mais le tireur n'a pas tremblé. Allez, très bien. Ah, on a vu. On a fait le jeu. Honnêtement, on fait le jeu. On arrive à aller jusque devant le but. Après, ça manque un petit peu de réalisme, un petit peu de spontanéité. Je trouve que les joueurs mettent un petit peu trop de temps derrière.
a enchaîné un contrôle avec une frappe. Qui a donné le coup d'envoi de cette seconde période. Elle va demander une grosse pression d'entrée là. Je veux réussir à prendre l'avantage. Il a vu. Allez, attention hein. Catherine. Ça tourne magnifiquement bien en ce moment. Ça va. Le ballon qui va filer en sortie de but. Personne n'a touché. On va bien faire attention à ne pas faire d'erreur. Voilà, très bien. Allez, encore, encore. Et pour l'instant, j'ai pas de solution. Ce qui est relativement bizarre là. Et bien au ballon. Voilà. Il peut jouer avec ses coéquipiers. Oh non. Et vous voyez, Batshuayi encore. Hein. Encore Batshuayi qui part. Alors que là, il doit rester en pivot. Pour mettre, pour pouvoir récupérer ce ballon et avoir une possibilité de frappe. S'il fait ça, c'est super bien joué. Mais au lieu de ça, il va s'enfermer dans les 5m50. On ne sait pas pourquoi. Allez. Dernière consigne au joueur qui va faire son entrée. Et Cabella, la frappe de Cabella. Ouh, elle était bien partie celle-là. Et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. Ah mais là carrément. Jérémy Clément. Et pourquoi encore une fois, bon, je vais sortir Batshuayi. Je vais être obligé de le sortir, je pense. Et de faire rentrer Michy Batshuayi, Wissam Ben Yedder. Un match de Ligue 1 avec cette rencontre où l'OM affrontera Nice à l'extérieur. Ah c'est j'espère une belle rencontre qui nous attend. Le centre pour ce centre qui trouve le défenseur finalement. Bien joué là. Allez, allez. Cabella. Allez, vas-y Cabella. Dommage, il la prend pas, il la laisse. Mais une grosse pression là. Raison. Allez, encore, encore. Dommage. Là, si on arrive à récupérer, Raison. On peut peut-être aller au bout. Ah, oui, moi, c'est des trucs, j'ai pas ça, hein, ce genre de solution. Hein. Bon, après, j'ai pas le même système de jeu que Saint-Etienne, c'est sûr. Oh, il y a but. Je rêve. Moi, oh, j'hallucine, sans déconner. Une occasion. Une occasion en deuxième période. Et ça fait but. Ah, ça pardonne pas. Là, ça pardonne pas en champion. Allez. On va tenter. Hein. Non. Ah, encore une fois, Alessandrini qui part. Alors, je ne lui demande pas de partir. Kevin Malepaké. Raison. Et Cabella. Et l'égalisation. Oh, c'est compliqué, hein. Mais je mérite pas de prendre ce but tout à l'heure. Et là, on joue bien le coup. Cabella qui arrive à bien enchaîner. C'est bien croisé, c'est sur le poteau. Et derrière, ça avait bien suivi. On va faire des changements tout de suite. On va laisser. On va faire rentrer Ben Yedder. On va faire rentrer le petit jeune sur le côté, Sané. En espérant, encore une fois, que cette fraîcheur paye. Après, je prends des risques. Hein. Là, je joue tout pour l'attaque. Donc, toujours très compliqué à gérer, mais quand même. C'est très équilibré. Mais je me posais justement la question, Hervé, parce que pour moi, c'était allez, quasiment du 50-50. Allez. D'accord, donc là il fait carrément une frappe. Attention, attention à ce coup franc qui sera bien placé. Attention, hein. Carton jaune pour un Stéphanois. Et il prend un jaune. Ouais, derrière, il expose sur j'ai gardien. Quoi comme tireur là. Lamela. Je préférerais prendre Lamela. Ça passe. Oh le poteau qui vient sauver le gardien Stéphanois. Oh que c'est pas de chance. Visiteuse. Jérémy Clément. Il
Attention, Kevin Monet-Paquet va très vite. Ça va, super barré du gardien Allison. C'est très bien vu. Allez, allez, Benjamin Mendy peut-être, non? Non, trop long. Le ballon est touché par personne, en tout cas, ça sera une touche pour l'OM. Benjamin Mendy. Très bien. Allez, bon ballon là. Peut-être. Oh là 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 là, c'est dommage, c'était bien enchaîné ça. On a bien vu les consignes de l'entraîneur sur le bord du terrain. Maintenant, c'est tout le monde derrière. Avantage laissé à Saint-Étienne. Oh, il siffle la faute là. Il n'y a rien. Eh, c'est que du duel à l'épaule et l'arbitre, il siffle tout. Hein. Il n'aime pas ça qu'on prenne le ballon. Allez, il faut qu'on arrive peut-être à tenir ce match nul. Ce sera quand même, encore une fois, une belle prestation. Hein. Marseille va affronter l'OGC Nice. Ensuite, on a connu cette équipe dans une meilleure forme. Ouais, très bien. C'est quand même assez décevant. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Il vient au ballon. Ah, elle la met là, vous voyez, encore une fois. Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Rekik? Oh, oh. Rekik, t'as le droit de revenir te replacer quand même. Jérémy Clément. D'accord. Que j'ai demandé une grosse pression, mais quand même pas au détriment non plus de la défense. Pas poussé, assez bien défendu. On l'a poussé en sortie de but. Voilà. Allez, ça risque d'être la dernière offensive. Allez, la touche. Ballon qui n'est pas arrivé. Ça va, c'était pas là que je voulais la mettre à la base, mais bon. Mais pourquoi il la met derrière? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas le système de passe de FIFA. Il va la mettre derrière alors que je lui demande certainement pas derrière. Et là, si je prends un but là-dessus, je pleure. Il est là, il y a un mec dans l'axe, il va la mettre derrière. Je comprends pas trop le truc là. J'ai beaucoup de mal hein, avec le système de passe de FIFA. J'ai l'impression que ça garde en mémoire des trucs, mais pendant des heures et des heures. Hein. Allez, match nul. Ma foi. C'est pas si mal que ça. Mais vraiment, j'avoue que le système de passe de FIFA. Là, j'appuie vers le bas pour qu'il la mette plein axe parce qu'il y avait un joueur marseillais plein axe. Et il va la mettre derrière. Pourtant, j'ai pas eu l'impression d'avoir appuyé sur l'arrière à un moment ou à un autre, mais bon. Allez, c'est pas très grave. On va faire tout de suite les entraînements. On simule. Alors par contre, ce qu'on va tenter de faire, je vais vous laisser là. On va se retrouver au coup d'envoi du prochain match. Moi, je vais essayer de modifier le dispositif et de jouer un petit peu en 4-5-1. Allez, à tout de suite. Allez, nous voici pour ce match contre l'OGC Nice. Alors on va voir, je suis passé en 4-5-1. On va voir si ça va m'aider un petit peu plus. Donc un 4-5-1 assez offensif. On va voir si ça va m'aider à peut-être trouver des solutions. Peut-être par l'axe. Pas par l'axe, par les côtés, pardon. D'avoir peut-être plus de disponibilité par les côtés. Déjà, j'ai un milieu de terrain beaucoup plus fourni. Donc ça devrait déjà m'aider un peu plus en termes de défense. Non, il veut pas y aller. Allez, va, Mendy. Voilà. Oh, dommage. Si elle arrive, celle-là, du moins, s'il passe la Coréa, il peut aller au but. C'était bien tenté, il fallait. Il n'a pas le droit, par contre, Coréa, de louper cette passe-là. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, ok, tout ça pour ça. Bien vu, très bien vu là. Oh, dommage. Mendy, non, tant pis. Bon, on va y aller avec.
Lucas Silva. Voilà. Sortie de but, un centre pas bien négocié. On va dégager. On va tenter de dégager très loin pour Wissam Ben Yedder. J'ai mis dans l'axe. Un vrai joueur axial ce coup-ci. Voilà, bien. Par contre, voilà. Si je le mets en joueur axial, il faut qu'il vienne au ballon. Hein. Sinon, il va jamais en toucher. Hein. Miguel de Bihan. Oh, un tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Oh, c'est trop de garder à ses buts. C'était bien récupéré l'ouverture du score. Superbe ouverture du score là pour les Marseillais. On voit la chute à la Mathieu Valbuena. Un bon pressing relativement haut. On récupère le ballon et derrière Rémi Cabella qui va au but. C'est magnifique. Et là, un enroulé plat du pied qui ne laisse aucune chance au gardien niçois. Écoutez, c'est plutôt bien fait. Voilà, bien bloqué le côté. Voilà, hop. On va y aller ou pas? Ah bah oui, bah là, surtout si j'y laisse le côté, il va y aller. Hein. Ça va, Valère Germain qui cadre pas, elle était compliquée à mettre celle-là. Hein. Mais c'était une très très belle occasion, là, niçoise. Et parfait. Et ça déconne, la passe elle est quand même pour Wissam Ben Yedder. Il me le donne pas et en plus il me le fait pas aller au ballon. Allez, allez. Parfait. Tranquille. Voilà, regardez. Très bien amené ça. Allez, Eric Lamela. C'est bien enroulé. Quelle frappe enroulée, la pied gauche qui allait au deuxième poteau. Allez, on va tenter cette petite volée là. Lamela. Pour Silva, la frappe. Oh, elle passe juste au-dessus du but. C'est dommage. C'est vraiment dommage, ça méritait mieux. Je sais que la prochaine fois, ils le laisseront pas tout seul au moins là. Est-ce qu'il me semblait quand même qu'il y avait une petite faute là, monsieur l'arbitre. Donc, si je veux la jouer vite. Oh non. C'était ça, hein. Si, c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais vu que j'avais vu quand même Rémi Cabella pardon, partir, je pensais qu'il allumait très plus fort. Ah dommage. Mal négocié ça. Allez, tranquille. Voilà, le ballon perdu par les Niçois. Ouf, j'ai appuyé un peu trop tôt là sur Croix. J'ai appuyé deux fois au lieu d'appuyer qu'une fois pour passer. Et ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon. Attention, pas d'erreur. Non, ça va. Bien joué. Il va y avoir touche pour les Niçois. Je me suis un peu jeté dans ma défense. C'est déjà beau qu'il n'y ait pas eu d'occasion plus dangereuse. Non. Voilà. La passe était bien vue, mais mal ajustée. C'est dommage. On aurait pu avoir un but là encore sur une contre-attaque. Ok. J'ai quand même, on va le revoir au ralenti, hein, mais j'ai quand même deux joueurs qui vont au duel sur lui, regardez bien. Regardez le premier, ça y passe à travers. Le deuxième, ça y passe à travers aussi. Et derrière, il enchaîne avec une frappe. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Oui, d'accord. C'est toi qui es quand même censé jouer dedans, là. Allez. Lamela, il va falloir que tu donnes un peu plus de ton potentiel, là, Lamela. Oh mais putain, les passes c'est pas appuyé. Ça méritait tellement mieux cette occasion là, c'était bien construit encore.
Ok. Va m'aider un peu. Voilà, passe devant. Très bien. Il va essayer de lui prendre le ballon. Allez, allez. Benjamin Mendy. Ouais, c'est ça, hein. J'essaye d'aller amener le danger dans la surface, mais j'ai trop peu de partenaires. Et là, mais là. C'est bien vu. Et dommage. C'est pas cadré. Traoré. Voilà, ça combine. Hein. Y a pas de souci, c'est propre. Côté niçois. Niçois qu'on n'avait pas senti très dangereux en début de rencontre. Et là, on les sent un peu plus offensif. La défense marseillaise part complètement en lambeau. Allez, on se retrouve avec Rekik qui tacle, mais qui ne prend pas le ballon. Bonne anticipation sur ce centre. Parfait. Allez, bien. Eh oui, Sam. Non, surtout on la prend pas, Ben Yedder. Faut pas qu'il se fasse mal en prenant le ballon, celui-là. Ouais, c'est une catastrophe. Sam Ben Yedder, c'est une catastrophe. Je vais faire rentrer Michy Batshuayi. Je me dis que ça peut pas être pire de toute façon. On va le faire rentrer tout de suite. Voilà, après on va faire... Non, pour l'instant je vais laisser comme ça après. Je décalerai Lamela en 10 et je mettrai quelqu'un sur le côté droit. Je pense que je ferai rentrer Lucas Ocampos. Voilà, allez, va, va. Parfait ce ballon là. Non, c'est pas bien joué de ma part. Ok, donc là le mec, le ballon lui rebondit sur le talon. Mais il arrive quand même à bien prendre le ballon derrière. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de droit à l'erreur du côté de l'IA. C'est ça qui est dommage. On se retrouve avec des passes très peu loupées. Dès qu'il y a un ballon qui est loupé, il y a tout de suite un joueur de l'IA. Regardez. Voilà, il siffle surtout pas la faute. Mon joueur se retrouve à terre. Maxime le Marchand. Putain, c'est pénible. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Allez, va, 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 Correa. Il intercepte. Ce ballon, il doit y aller là-bas. Il doit y aller 100 fois. Nicolas Koulou. Très bien, allez. Parfait. Ça joue très collectif, c'est très beau. Encore une fois, ça résiste bien. C'est une belle occasion, cela. L'équipe à domicile. Elle sent très bon. Il n'y a personne. Il n'y a pas un Marseillais à la réception de ce centre. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. La Mela, il est blessé. Parfait. Allez, oui, on prend l'avantage, 2 buts à 1. Et c'est qui? C'est... Ah, c'est Benjamin Mendy, là? Non, non, c'est Michy Batshuayi. Hein. Il est là où on lui demande. Allez, ouais, forcément, la Mela ce coup-ci. Donc, je le ferai pas jouer en 10. On va y mettre Ocampos. Et là, par contre, maintenant, j'ai plus grand choix. On va laisser comme ça. Il vient d'entrer sur le on a vu un joli but. Hein. Là, Djadjadj qui fait la fin de frappe, qui élimine, qui rentre dans l'axe. Et le bon ballon au premier poteau. Et Batshuayi qui avait bien coupé pour mettre cette frappe hors de portée du gardien. Et pour l'instant, j'ai pas joué plus offensif que ça. Et on a des solutions. Après, il faut juste que je trouve... A mon avis, le bon joueur pour jouer plein axe. Ça tourne magnifiquement bien en ce moment. Bien joué, super barré là. C'est là que l'IA est très compliquée à défendre parce que elle, quand on arrive sur elle, elle fait toujours le petit crochet qui va bien et il passe. Il passe toujours ce petit crochet. Hein.
Allez, Batshuayi. Et ça leur donne un bon ballon de contre. Ah, dommage. J'ai poussé le ballon un peu loin. Et Djadjé, c'est bien. Ah, qu'est-ce qu'il fout tout seul là, lui? Ok, très bien. Sur le terrain, devant son public. Un super ballon. Allez, va Mendy. Ballon donné sur l'aile. Peut-être, oh là là là, je veux dire, peut-être le troisième but pour l'OM avec Rémi Cabella qui loupe le cadre. Oh, c'est dommage, à cette distance-là, au point de pénalty, ça doit être cadré. Ça doit aller dedans. Attention, pas d'erreur. Il faut surtout pas faire de faute. Diarra. Attention, non, dommage, c'est pas passé. Attention à cette perte de balle au milieu. C'est bien vu ça. Allez, va. Dommage. C'est parti en touche. Pour l'instant, les Olympiens qui font le bon pressing. Et ça paye. Oh, dommage. Tout de suite, hein. Franchement, la défense, elle est tout de suite là. La défense niçoise, là. C'est là que je suis épaté par l'IA qui arrive tout de suite à anticiper tellement bien tout ce qu'on va faire. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Après, j'arrive quand même à je me suis un petit peu mieux adapté. C'est un peu mieux quand même pour ce qui est du mode champion. Ouais, quand même, oh. Le mec, il garde le ballon tout seul. Non ? J'allais dire, j'ai pas appuyé. Ok, donc il n'y a pas faute. Hein. Et l'arbitre, il siffle rien. Hein. L'arbitre, c'est pour moi, il siffle rien du tout. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Oh. Et vous avez vu quel joueur j'ai pris quand même ? Vous l'avez vu comme moi. J'ai quand même pris... Lassana Diarra, je fais la passe à Lassana Diarra qui est devant moi, il va chercher un joueur qui est complètement à l'opposé. Je ne vais pas me poser de questions, je vais dégager là, on va éviter de prendre le risque de prendre un but. Ok. D'évoquer le prochain adversaire de cette équipe, Franck. Nice va affronter le SC Bastia. Ensuite, la déception doit être grande chez les supporters qui espéraient un autre résultat que cette défaite. Allez. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre. On le sait par contre hein, que dans FIFA, l'IA, c'est toujours dans les derniers moments des matchs qu'elle fait le forcing. À la 45e, à la 90e, si elle veut égaliser, c'est là qu'elle égalisera. Allez, je vais aller chercher encore Michy Batshuayi. Et encore et toujours, je ne prends pas le ballon. Ah, ça déconne. Le mec, il sait ce que je vais faire, c'est impressionnant. Centre dans la surface de réparation. Allez. Lassana Diarra. Oh, il la met pas dedans, Diarra. Oh, c'était bien vu de pas la mettre à Michy Batshuayi. Mais Diarra, il doit marquer. Alors moi, par contre, vous avez vu, je prends plus un ballon de la tête, hein. Ok. Et bien joué Batshuayi. Et il est hors jeu. Pourquoi est-ce qu'il la met là? J'oriente en diagonale vers Rémi Cabella parce que je l'ai vu partir. Mais non. Il va la mettre au plus près. Alors quand il faut la mettre. Oh, regardez. Et j'appuie quand même devant. L'arbitre qui vient de siffler.
Allez, c'est pas grave, le plus important c'est de s'imposer, mais j'avoue vraiment avoir du mal moi avec le système. Autant le système de passe de PES en termes de direction est quand même précis, que là dans FIFA, là la tête je la fais devant, elle part complètement là-bas. La passe tout à l'heure sur le coup franc avec la Sana Diarra, je la mets devant, il va me la mettre aussi complètement de l'autre côté. C'est très particulier. Bon, en tout cas, le plus important c'est de s'imposer. On a pris, comme diraient les mecs en Ligue 1 quand on les interroge, le plus important c'est les 3 points. On a pris les 3 points. Donc, je pense qu'on va assurer, à mon avis, on n'est pas loin d'assurer définitivement le titre. Eh bien, écoutez, j'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode condensé. Allez, portez-vous bien, à bientôt. Ciao tout le monde.